Appalachia avec son phare du 19e siècle est l'élément représentatif du paysage naturel de Haute-Trente. C'est les points les plus étroits du canal de Haute-Trente, pittoresque croisement de la mer Adriatique et Ionienne. On peut l'atteindre en parcourant la côte qui de Porto Badisco conduit à Haute-Trente par un long chemin qui porte vers les points les plus bas de l'Haute Falaise, dominés par les majestueux et candides phares. Construit au XIXe siècle, le phare de Punta Palacia est l'un des 161 phares d'Italie et l'un des 5 phares de la mer Méditerranée, reconnu et protégé comme site d'intérêt communautaire. Cap d'Otrante, comme indiqué sur les cartes nautiques, c'est les points les plus à l'est d'Italie, ainsi que les croisements de deux mers qui ont été la scène de nombreuses histoires et légendes. Un coin de paradis complètement immergé dans la forêt méditerranéenne, qui domine les paysages et adoucissent les traits de l'Haute Falaise, en lui donnant une touche de couleur avec les bleus de la mer